Sur les habilitations, la loi reconnaît comme seule habilité à vendre des médicaments le docteur en pharmacie. Donc, tout autre acteur de la santé en dehors de celui-ci ne devrait pas vendre des médicaments. Le pharmacien, dans sa formation, il dispose d'une connaissance large du médicament. Autant en ce qui concerne sa qualité, autant en ce qui concerne son efficacité. C'est pourquoi la loi lui consacre le monopole de la fabrication et de la distribution du médicament. Donc c'est le docteur en pharmacie, a priori, qui est la personne habilitée à vendre des médicaments en pharmacie. Oui, alors oui. Maintenant, il arrive qu'il se fasse aider par des auxiliaires en pharmacie, dont les tâches courantes, pas toujours pour la dispensation, mais pour le reste des activités qu'une pharmacie doit avoir. Mais le principal responsable aux yeux de la loi, c'est lui. Autrement dit, généralement dans les pharmacies où nous avons payé des médicaments, il est souvent fréquent que sans ordonnance, on se tient juste devant la dame et on lui dit, qu'on lui dise, bon madame, j'ai un peu froid ou bien j'ai mal, j'ai telle douleur, et immédiatement cette dame nous prescrit ou bien nous propose des médicaments à acheter. Docteur Christophe, est-ce que ce comportement est-il dangereux? Vous soulevez un problème à plusieurs volets. Le premier volet explique à peu près pourquoi nous en sommes là. La première raison, c'est que dans le temps, il n'y avait pas suffisamment de pharmaciens. Donc, on faisait avec ce qu'on avait. Aujourd'hui, les choses changent. Le gouvernement a mis en place beaucoup de facultés de médecine qui forment, entre autres, des docteurs en pharmacie qui vont, n'est-ce pas, desservir les différentes structures pharmaceutiques. Donc, pour revenir à votre question, les choses se sont passées comme ça. Elles continuent, mais elles vont changer progressivement. Effectivement, vous avez raison de le dire, le mieux quand vous avez un souci est de s'adresser au docteur en pharmacie s'il est présent. Bon, maintenant s'il n'est pas présent, on fait avec ce qu'on a. En n'oubliant pas que, même s'il n'est pas là, il faut pas garder. Au bout d'un certain nombre de temps, il ne faut pas perdre le réflexe de partir à l'hôpital. C'est-à-dire que si il est là et que votre maladie relève de sa compétence, il va vous donner ce qu'il faut. S'il voit qu'il y a des examens à passer. nécessaires à faire avant de prendre un traitement, celui-ci va vous orienter et il va vous orienter auprès du meilleur spécialiste qui correspond à la maladie que vous lui avez, qu'il a cru voir en vous. Autrement dit, le docteur en médecine, en pharmacie, ne peut pas donner un médicament à un patient si lui-même, il n'est pas sûr que ce que souffre, du moins lui-même, ce que souffre le patient en face de lui, correspond réellement à au médicament qu'il veut proposer au patient. Du moins, c'est juste la reformulation de votre dernière
réaction à savoir du fait lié au fait que si le médecin voit que le patient présente d'autres symptômes qui ne sont pas assimilables à ceux liés à ce que le patient décrit, alors ce dernier va lui suggérer d'aller voir un spécialiste en rapport aux symptômes, à ce que lui il a vu sur la personne, du moins sur l'état, la physiologie de la personne se trouve en face de lui. Tout à fait. Et c'est là l'avantage, l'un des avantages d'acheter le médicament en pharmacie. Ce dialogue, cet échange. Pour remettre un peu les choses, il y a deux grands volets. Oui. Vous avez des malades qui se présentent avec une ordonnance. Vous avez ceux qui se présentent sans ordonnance. Dans les deux cas, le docteur en pharmacie est tenu de s'assurer que les médicaments que vous les prenez pour la bonne maladie, vous les prenez à la dose qu'il faut. Et qu'en prenant ces médicaments-là, ça va pas vous entraîner une complication avec une maladie déjà peut-être existante. C'est en fait ça, ces connaissances-là que le vendeur de la rue n'a pas, que vous trouvez en pharmacie. C'est cette valeur ajoutée-là. Et ça place le parcours dans un système un peu plus sécurisé. Sécurisé même au niveau de la loi. C'est peut-être pas encore totalement dans nos habitudes ici au Cameroun, mais il y a une responsabilité pénale. C'est même écrit dans le code pénal que tous ceux qui vendent les médicaments sont passés, même quand le code pénal est très léger en termes de sanctions. À cet égard, il y a la vente des médicaments par de non-spécialistes. Voilà. Voilà. Donc, il est tenu responsable si, avec vos traitements, il vous arrivait quelque chose. Donc, il est également dans son intérêt de veiller que le médicament que vous allez prendre ne va pas vous faire plus de mal que de bien. Chose que vous n'avez pas auprès du vendeur de la rue. L'automédication est le fait pour un individu lambda, donc n'ayant pas de formation médicale, de consommer un produit pharmaceutique sans l'avis d'un professionnel de la santé. Donc, dans les professions de la santé, vous avez des médecins, qu'ils soient généralistes ou des spécialistes, vous avez des pharmaciens, vous avez des chirurgiens-dentistes, vous avez des infirmières. Donc, lorsque donc vous prenez un médicament de votre propre chef, ou parce que la voisine d'en face vous l'a conseillé, pour un mal qui, bien que ayant des mêmes symptômes, n'est peut-être pas le même, à ce moment-là, vous pratiquez de l'automédication.